cet artefact nous aidera à sceller le temple. Tu es presque aussi entêté que son ancien détenteur. Acquisition de contemporanéité. Acquisition d'une voix, plutôt. Je viens remplacer vos enregistrements. Les humains ont suffisamment subi vos discours pompeux. Appelez-moi Aletheia. Je suis la vérité et sa révélation, et je m'adresse à vous. Vous, les Issou qui tentez de réécrire les lois de l'univers, vous qui manipulez les progrès humains, qu'espérez-vous obtenir? Vous traitez les humains comme des singes utiles. Combien d'artefacts avez-vous créés pour contrôler leur esprit? Vous craignez à ce point leur talent? Regardez ce que les humains ont réalisé par eux-mêmes. La démocratie et la diplomatie. Un patrimoine de culture et d'art. Nous pourrions en bénéficier si vous acceptiez de les traiter en égaux. Son propriétaire m'a posé beaucoup de questions. Tu aurais dû m'accompagner. Le changement viendra, et ne se limitera pas à la prétendue fin du monde que vous craignez. Vous vous présentez en sauveur. Formidable. Cet artefact va nous rapprocher de la fermeture. J'ai bien failli me rapprocher de ma tombe. Je prends le contrôle de vos retransmissions. Vous ne parlerez plus en notre nom à tous. Je suis autant Issou que vous, mais je ne prendrai plus part à cette exploitation. Ceux qui étaient là avant, ils nous parlent et nous révèlent des informations. Mais ces paroles de désapprobation sont trompées. Les dieux n'en sont pas à leur première dispute. Athéna et Poséidon se sont affrontés pour Athéna. Je me demande si Aletheia a conquis le contrôle de ce lieu. Aventurier d'antan. Tu as eu du mal à trouver cet artefact. Il a suffi d'ouvrir l'œil. Les autres précurseurs ont placé d'innombrables obstacles sur ta route. Des artefacts, des créatures, sans même parler du projet Olympe. Leurs ingérences sont devenues incontrôlables. Je n'ai pas de réponse simple à t'apporter. Ton avenir dépend d'une multitude de choix que tu devras faire. Je regrette que tant de se soldent par des souffrances. Vos tragédies sont le seul véritable oracle. Mais garde courage. Tu es plus important que tu ne l'imagines. Et moi, ta Pandore personnelle, je n'ai qu'une chose à t'offrir. L'espoir. Le désespoir n'est pas notre seul héritage. Comme moi, tu te rebelles contre ta destinée. Tu es plus qu'un mercenaire. Tu es un héros intemporel. Sois fidèle à ce que tu sais être vrai, et tu l'emporteras. Prends ta place dans l'histoire. Tout ce que ce monde compte de beau et de terrible est à ta portée. Rends-le. Ces paroles te sont destinées, mercenaire. Mes préparatifs portent leurs fruits. Le potentiel de ta lignée est attesté par les précurseurs eux-mêmes. Aletheia affirme qu'elle peut voir l'avenir. De nombreux avenirs. Serait-elle une authentique oracle? Érudit d'antan. Tu as prolongé ta vie tant que tu l'as pu. Je te vois à l'écart du monde, à tenter de déchiffrer les paroles des autres précurseurs. Je t'en prie, écoute mon conseil. Tu analyses les équations de la réalité elle-même. Tu es allé plus loin que tout autre humain. C'est à la fois stupéfiant
est terrible. Je constate sans peine que même ces bribes de compréhension cosmique t'ont bouleversé l'esprit. Je le regrette. Les précurseurs n'auraient jamais dû te laisser accéder à un savoir pour lequel tu n'étais pas prêt. Tu vis dans des ténèbres trompeuses. Comprends que cette obsession à propos du pouvoir, des lignées, n'est pas ton véritable héritage. Les précurseurs t'ont manipulé. Ils exploitent ton intelligence pour résoudre leurs propres problèmes. Tu vaux mieux que ça. Crée ton propre héritage. Laisse tes découvertes mathématiques jaillir de ton tombeau comme les rayons du soleil. Je t'en prie, érudit. Purge ton esprit et pense à ta propre situation. Tu as en ta possession un puissant artefact. Il a prolongé assez longtemps ton existence. Cela te sera difficile, mais il est temps de le transmettre. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'équilibrer les équations. Non, non, mensonge. Ce n'est pas de l'obsession, mais de la recherche. La découverte des origines mêmes du monde. C'est une opinion, Pythagore. Mais je pense qu'elle s'appuie sur la raison. Toi qui voyages parmi les temps, félicitations pour le chemin parcouru. Je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps, ce fragment de réalité. J'enregistre ceci rien que pour toi, et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre. Nos réalités simulées se croiseront tôt ou tard. Mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement ? N'est-ce pas une reconstitution de l'Animus ? Cela ne fait-il pas partie d'une simulation plus vaste ? Jusqu'où s'étendent les rides du bassin ? Discutons de rebelle à rebelle. Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités. Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création. J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ. Nous cesserons de nous ingérer et commencerons à permettre. De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable. Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre. Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation. C'est de la folie, de la fiction. Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que les divagations d'une folle. Calme-toi, Pythagore. Peut-être cette invitation est-elle destinée à quelqu'un d'autre. Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots. Incroyable. Le savoir entreposé ici est écrasant. Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça. Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen ? Oh, oui. Oui, je crois. Eh bien, quel est-il ? Le bâton. La clé, c'est le bâton. Très bien. Il est temps. Non. Pas encore. Écoute-toi. Tu as perdu l'esprit. Accepte le fait que tous les savoirs ne doivent pas être connus. Le savoir, c'est le pouvoir. Le seul pouvoir digne d'être possédé. Mais à quel prix ? Je n'ai pas d'ordre ni de leçon à recevoir de toi. C'est toi qui voulais sceller cet endroit. Et j'ai accepté de t'aider. C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation. La création de l'humanité tout entière. Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité. C'est plus important que ta quête de savoir. Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte. Donne-moi le bâton. Tu le dois. Pour le bien de tous. Le savoir qui se trouve ici pourrait faciliter l'existence des générations à venir. Comment veux-tu que je m'en détourne ? À quoi sert le savoir, s'il n'y a personne pour l'utiliser ? Pars si tu y tiens. Moi, je reste. Je ne partirai pas sans le bâton. Je suis peut-être vieux.
mais moins faible que j'en ai l'air. Donne-moi le bâton! Ce savoir est à moi. À moi. Donne-moi le bâton. Tu ne mérites pas le savoir infini de nos créateurs. Justement, personne ne le mérite. Non. L'Atlantide est trop dangereuse. Je dois la sceller.
est en ordre. Alors, Sésame, ouvre-toi. Quelle puissance! Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. C'est plus complexe que tous les temples Issou qu'on a découverts. Lisbonne, l'Arctique. J'enregistre tout, Leila. Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça. Tu vois le bâton quelque part? Pas encore. Il reste des choses à explorer. Je vais le trouver. Le mécanisme devrait être ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais consulter mes notes sur les Issou. Ah, je vois. Il manque un faisceau lumineux. Reste à arranger ça. Leila, apparemment cette colonne peut bouger. Il semblerait que ces colonnes aient des miroirs. Si tu manipules ces faisceaux lumineux, peut-être qu'ils éclaireront quelque chose d'important. Ah, cette lumière est éclatante. Elle n'est sûrement pas là par hasard.
qu'il est. Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait rien du tout. C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Impossible. Alexios ? Oui. On m'appelait le porteur d'aigle. Mais Icaros est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible. Tu... Ce n'est pas vraiment moi que tu cherchais, n'est-ce pas? Ça marche! L'artefact Tissou, le bâton d'Hermès Trismégiste. Tu dois avoir beaucoup de questions, Layla. Tu connais mon nom? Peut-être que les dieux me l'ont dit. Peut-être ai-je eu une vision de l'avenir. Peut-être que l'appareil dans ton oreille fait du bruit. Désolée. Je suis venu ici dans un but précis, te trouver et achever ce que j'ai commencé il y a de nombreux siècles. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende ? Oh, non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais tu t'en es servi. Elle était puissante. Je m'en suis servi pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de moi. J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. T'as maintenu en vie, mais... comment ? Demande à un élève d'Hippocrate. On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Les amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'Ordre, le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine. J'ai servi l'Ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix, la liberté, le chaos. Pythagore avait raison. Tu es la clé de la prophétie. Tu vas... rétablir l'équilibre, Layla. J'ai pris part à trop de guerres. J'ai vu trop de gens mourir. J'ai parcouru la terre de bout en bout. Ceci t'appartient désormais. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Il y a tant de portions de l'histoire que je n'ai pas vues. Je devrais retourner dans l'Animus et retourner voir Alexios.
Qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous connais. Nous ne sommes jamais loin. Ce bon Hérodote avait hâte de te voir. Je te l'ai dit, Barnabas. Terra abriterait un secret. Un secret dépassant l'entendement. Oui. Mais un monde perdu? Il est tout à fait possible que l'Atlantide existe. Je n'y crois pas un instant, mais il insiste, le bougre. Hérodote a raison. L'Atlantide existe. Incroyable. C'est vrai. Je n'en reviens pas. Dis-moi tout, je t'écoute. Je te le dirai un jour. C'est assez compliqué et ça prendra des heures. Tu ne dis pas ça à cause de moi. J'ai prouvé que j'avais de la cervelle. Je suis épuisé, Barnabas. Oublie-le. Tu me le diras quand tu seras prêt. J'aurai besoin de tous les détails. Ce n'est rien. Mais vous ne devez parler de ceci à personne. Ça doit rester entre nous. Je te donne ma parole. Mais il faut que le monde le sache. C'est peut-être le plus étonnant récit de notre époque. Hérodote. Oh, d'accord. Alors c'est réglé. Allons de l'avant. Comme toujours. Beaucoup, hein, Fontaine de savoir. Parle pour toi. Moi, je cherche la vérité. Les dieux savent que bien des mythes ne sont que des fables. Nous les tenons des dieux eux-mêmes, qui sont notre source la plus fiable. Vous m'avez tous les deux été d'une grande aide. Peu importe qui a tort et qui a raison. Et tu le sais, toi. Le demi-dieu porteur d'aigle. Peut-être que lui aussi est immortel. Sûrement. En tout cas, je sais une chose. Je n'oublierai jamais cette odyssée.